Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le journalisme. Comme je l'ai été, j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on est journaliste? Quels sont les avantages liés à ce statut dont personne ne parle? Et surtout, est-ce qu'on peut être journaliste sur YouTube? La réponse? Alors déjà, pour essayer de mieux comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est un journaliste. Parce que le statut de journaliste est très important, ça permet beaucoup de choses, on va le voir. Bref, certains diront qu'être journaliste, c'est le fait d'avoir une carte de presse, d'autres diront qu'il faut être sorti d'une école de journalisme, ou que c'est surtout la déontologie qui fait qu'on est journaliste, ou encore le fait que c'est simplement de travailler dans les médias. Eh bien non. C'est aucun de tout ça. Ce qui fait qu'on est journaliste, c'est tout simplement quand il y a écrit « journaliste » en haut de la fiche de paye ou de la facture. C'est tout. D'ailleurs, les articles L7111-3 et 5 du Code du travail précisent qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. En résumé, pour être journaliste, il faut travailler en tant que journaliste dans un organe de presse et que ça représente plus de 50% de ses revenus. Donc on peut très bien être journaliste sans être sorti d'école de journalisme, sans avoir de déontologie ou alors sans avoir de carte de presse. D'ailleurs, la carte de presse, parlons-en. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. C'est une sorte de carte d'identité des journalistes, numérotée, pour justement les aider à prouver qu'ils le sont bien, journalistes, et leur faciliter certaines tâches. C'est, ou plutôt c'était, le Graal des journalistes, puisqu'elle donne accès à pas mal de choses. Par exemple, elle vous permet de passer un peu partout pendant les manifs, vous faire accréditer, c'est-à-dire avoir un passe-presse dans pas mal d'événements. Meetings politiques, événements sportifs, salons de toutes sortes. Elle permet aussi de rentrer gratuit dans pas mal de musées, salles de cinéma, parcs d'attractions, etc., etc. Ça vous donne aussi accès à des soldes spéciales, des soldes presse ou des réductions dans pas mal de magasins. Bref, beaucoup de petits avantages. Rien qui ne vous change radicalement la vie, mais ça peut être quand même sympa. Évidemment, tout ça est fait pour faciliter le travail du journaliste et doit être utilisé à but purement professionnel. Mais pour être complètement honnête avec vous, rares sont les vérifications. Par exemple, si vous allez au musée gratuitement avec votre carte de presse, personne ne va vérifier que vous allez bien faire par la suite un sujet là-dessus. Bah non. Et d'ailleurs, petite anecdote, chaque constructeur automobile a ce qu'on appelle un parc presse. C'est-à-dire qu'ils ont des voitures exclusivement dédiées à être prêtées aux journalistes. Alors normalement, c'est pour les émissions genre automoto ou les magazines spécialisés dans l'automobile. Mais pas que. En réalité, n'importe quel journaliste peut en faire la demande et donc potentiellement prendre une de ces voitures. Même si c'est de plus en plus réglementé aujourd'hui parce qu'il y a eu quand même pas mal d'abus dans le passé. Par exemple, j'ai connu un journaliste il y a quelques années qui me racontait qu'il roulait toute l'année en parc presse. Et il changeait de bagnole toutes les semaines. Évidemment, ce genre de cas est très rare et je vous rassure, l'énorme majorité des journalistes ne le font pas et utilisent les avantages de la carte de presse à but seulement professionnel. D'ailleurs, ces avantages ont tendance à se réduire avec le temps et il est de moins en moins intéressant d'avoir la carte de presse. Voilà pourquoi ce n'est plus le Graal que ça a été. Et au fait, comment on l'obtient cette carte de presse? Eh bien, il suffit d'avoir les critères requis et de déposer un dossier à la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels. Et ils ne peuvent pas vous refuser la carte de presse si jamais vous rentrez dans les cases, qui sont d'ailleurs travailler comme journaliste depuis plus de 3 mois dans une entreprise de presse reconnue par la commission, avoir plus de 50% de ses revenus qui proviennent du journalisme, et c'est tout. Ces deux critères seuls permettent d'avoir la carte de presse. Évidemment, la carte de presse ne vaut que pour un an, et ces critères doivent être réévalués chaque année pour pouvoir la conserver. La carte de presse va donc vous aider à prouver que vous êtes bien journaliste, mais elle n'est pas obligatoire pour être journaliste. Et tous les avantages qu'on a vus qu'offre la carte de presse peuvent être obtenus sans l'avoir, justement, cette carte. Il suffit juste de prouver qu'on est bien journaliste, avec une lettre de l'employeur, par exemple. Donc, si vous avez la carte, c'est que vous êtes forcément journaliste, mais ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous ne l'êtes pas. D'ailleurs, le statut de journaliste permet autre chose de très important. Qu'on ait la carte de presse ou pas, ce statut permet un abattement fiscal de 7650 euros par an. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un journaliste va payer 7650 euros d'impôts en moins que ce qu'il devait. Non, ça veut juste dire qu'un journaliste qui, par exemple, gagne 30 000 euros par an, eh bien l'administration fiscale va lui en compter 22 350 pour calculer ses impôts. Cette faveur aux journalistes existe depuis très longtemps et devait servir à couvrir les frais professionnels
plus important dans ce métier que dans d'autres, par exemple. Enfin, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, mais l'avantage est resté. L'État a d'ailleurs voulu s'attaquer à cette niche fiscale à plusieurs reprises, mais ça a été très compliqué. D'ailleurs, c'est une histoire incroyable que je vous raconterai bientôt dans un autre format. Bref, voilà dans les grandes lignes les avantages liés au statut de journaliste. Alors, je vous vois arriver certains dans les commentaires à coups de journalope et profiteur. Je tiens à préciser que ces avantages, au départ, ont tous pour but de faciliter le travail du journaliste et de garantir son indépendance. Après, c'est comme partout, certains en abusent et font passer tous les autres pour des pourris. Mais ne les mettons pas tous dans le même panier. Bref, ce statut de journaliste est donc reconnu à la télé, à la radio, dans la presse écrite et sur internet sur les sites d'information. Maintenant, il y a une question importante à se poser, qu'en est-il sur YouTube par exemple? Est-ce qu'on peut être YouTuber et avoir le statut de journaliste? Eh bien non. Même s'il y a des exceptions, on va en parler, dans la quasi-totalité des cas, un YouTuber classique ne peut pas être journaliste. Même s'il fait du journalisme, et c'est là toute la nuance, faire du journalisme ne veut pas dire être journaliste. Hugo Décrypte, Charlie Danger, Mister Géopolitique, bref, des centaines de créateurs qui font de l'information ou de la vulgarisation de manière journalistique ne peuvent pas avoir le statut de journaliste. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie d'une rédaction dans un organisme de presse. Sur leur fiche de paye ou leur activité indépendante, ils ne peuvent pas écrire journaliste, donc ils n'en ont pas le statut. Et ça va même plus loin. Quand j'avais le statut de journaliste à LCI, au groupe TF1, j'étais à un bureau dans la rédaction et le rédacteur en chef venait me voir pour me dire « Tiens, il y a un tel qui vient de rentrer d'une manif par exemple, avec ses rushs, eh ben, fais-nous un sujet dessus pour le prochain JT. » Je n'y connaissais absolument rien sur le sujet, c'est même pas moi qui étais allé filmer, et j'avais une à deux heures pour le traiter. Mais là, j'étais journaliste. Aujourd'hui, sur YouTube, que ce soit avec la chaîne du Tatou ou celle-là, je fais des reportages beaucoup plus poussés, qui ont demandé plusieurs jours de tournage, plusieurs semaines, voire mois d'enquête, de préparation. Je maîtrise le sujet, bref, je fais un travail objectivement plus journalistique qu'à l'époque de TF1, où je restais assis sur une chaise et je devais faire des sujets en quelques heures sans rien y connaître. Pourtant, aujourd'hui, je n'ai pas le statut de journaliste que j'avais avant. Est-ce que tout ça, c'est normal? Eh bien oui. En réalité, c'est normal que j'étais journaliste à l'époque chez TF1 et que je ne le sois plus aujourd'hui, malgré tout le contenu que je fais. Et là, vous devez vous demander pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de rédaction avec moi. Je suis seul maître à bord, je peux dire ce que je veux. Personne ne contrôle ma déontologie journalistique ici. Attention, ça ne veut pas dire que dans les rédactions, il y a forcément un contrôle poussé et que tout ce qui est dit est carré. Mais en tout cas, ce statut de journaliste, qui ne peut pas être distribué n'importe comment, essaye d'encadrer tout ça. Sinon, n'importe qui ouvre une chaîne YouTube, qui crée un blog ou un compte Twitter, pourrait se dire journaliste. Et déjà que le métier n'est pas très bien vu malheureusement, je vous laisse imaginer ce qu'il en serait si tout le monde pouvait faire ça. Il est donc normal que cette activité soit réglementée et surveillée. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas sur YouTube de contenu fait par de vrais journalistes. Par exemple, Charles Villa, un mec incroyable. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Vraiment, c'est ouf. Il travaille pour Brut et fait des reportages aux quatre coins du monde sur des sujets de fous et ils sont diffusés sur YouTube. Eh bien, il est officiellement journaliste puisqu'il travaille chez Brut. En revanche, s'il faisait exactement la même chose, les mêmes reportages, mais de manière indépendante sur YouTube, eh ben il ne le serait pas. Et pour ceux qui se demandent ce qu'il en est des journalistes indépendants, les journalistes indépendants travaillent pour des rédactions. C'est juste pas à plein temps. Tout ça, ça marche pour la France. Alors évidemment, il y a des exceptions, comme par exemple le Grand JD. Je sais que lui, il a le statut de journaliste. D'abord, il est suisse, et il a la carte de presse suisse, et je ne connais pas les critères qui permettent d'avoir la carte de presse en Suisse. Je vous avoue, je connais pas. Et en plus, il a bossé par exemple sur sa série Animalis avec la RTS, une chaîne de télé suisse. Et comme c'est un véritable organe de presse, ça lui a permis d'avoir le statut de journaliste grâce à ça. Pareil pour Hugo Décrypte, quand en plus de sa chaîne, il faisait des chroniques sur Europe 1. Si ses prestations à la radio cumulaient plus de 50% de ses revenus, il aurait pu demander le statut de journaliste, mais pas avec sa chaîne seule. Après, pour être honnête, on peut faire exactement la même chose sur YouTube qu'on ait le statut de journaliste ou pas. Ce n'est pas bloquant de ne pas l'avoir et ça n'empêche pas de faire du contenu journalistique. Par exemple, j'utilise la même méthodologie et déontologie journalistique sur ma chaîne. Et ça fonctionne très bien. Je réussis à être accrédité là où je veux, à avoir les interviews que je veux, etc. etc. Donc le statut de journaliste n'est pas obligatoire pour faire du journalisme, mais en revanche, il est obligatoire pour être journaliste. J'espère que la nuance est assez claire. Voilà pour ce sujet. Bon, évidemment, tout ça c'est dans les grandes lignes. Le tout est bien plus complexe et le journalisme en général pourrait faire une série entière de vidéos. Sur la déontologie, les pratiques, l'organisation d'une rédaction, mais aussi les mauvais côtés du journalisme, c'est-à-dire ce qu'ils subissent. Bref, il y aura peut-être un format dédié sur cette chaîne un jour. Je ne sais pas.
Et rappelez-vous, les journalistes, c'est comme dans n'importe quel métier. Il y a des gens bien et des gens moins bien. On ne peut pas résumer une profession entière aux agissements de certains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. C'est important, on est de plus en plus, c'est trop bien. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle vidéo. Salut !